les parachutistes. Et il y a bien longtemps que nous connaissons la solution à ce problème. Le problème, c'est le stress. On s'en débarrasse tout au début de l'action, en s'imposant un geste insolite, à savoir ce pas dans le vide, dont la nature humaine a horreur, et qui occasionne donc un stress que l'on arrive à maîtriser plus ou moins, selon chacun d'entre nous, et avec l'accumulation des sauts. Le saut en parachute, épreuve dans laquelle tous les hommes sont égaux et à laquelle il faut évidemment se soumettre pour accomplir sa mission, génère un exceptionnel esprit. C'est notre fil rouge, libérateur des angoisses, la conséquence du pouvoir égalisateur de la porte à franchir, et cet obstacle affronté avec succès fait en sorte que rien désormais ne peut nous arriver. L'exemplarité s'imposant à tous, l'alchimie entre les valeurs va les confondre, l'initiative qui entraîne la vivacité et la réactivité qui permet d'aller plus loin quand les autres ont déjà renoncé. Voilà. Ça, pour moi, c'est l'espotage. La chute libre a commencé dans plusieurs unités sur des initiatives personnelles. En particulier au premier choc, c'est en 1960. Bernard Koblin, il a le numéro de chute d'Europe, numéro 5, il a participé au premier stage. Il dit ceci: pour moi, l'idée de sauter en chute libre avec charge revient au lieutenant Horon de l'instruction parachutiste. Avec l'aval du commandant de l'école, il a mis au point l'arrimage de musettes, des musettes DAP et la façon de s'équiper avec une arme. Les premiers sauts ont lieu au deuxième semestre 61. Les altitudes variaient en fonction de la météo, bien sûr, et en fonction des possibilités des avions. Ils interviennent à l'aube, au crépuscule ou de nuit, disparaissent dans la nature et s'adaptent au relief. Durant l'été, l'année 62, devant le succès croissant de cette nouvelle discipline, sauter avec une arme, avec son armement, le commandant de l'étape décide de l'inclure dans le programme de l'instruction de démonstration des autorités en visite à l'école. Au début des années 80, la division parachutiste a demandé à ce que des équipes CRAP soient mises en place dans tous les régiments. C'est ce qui s'est fait pour la plupart. Et en ce qui concerne le 35, les chutes Europe c'était répartis dans toutes les batteries. Et on faisait également donc tous les camps CRAP. Et puis on se rassemblait là avec les autres équipiers du régiment. C'est à partir de la mi-juin 1987, donc on va fêter les 35 ans, que le régiment a mis en place la première équipe. À ce moment-là, donc, le capitaine Capoferri a été désigné comme étant chef d'équipe. Il était adjudant à l'époque. J'ai eu l'honneur d'être son adjoint. Et puis, avec une dizaine d'équipiers, on a commencé à former l'équipe. Donc, après nous, d'autres personnes sont venues. Et puis, ça a pris de l'ampleur. C'est à partir de 87, oui, c'est ça, que j'ai connu le chef d'escadron sans eau, qui était à l'époque maréchalogie. Pourquoi ? Parce que l'équipe, à l'époque-là, faisait passer les tests pour les futurs candidats SOGH à l'étape. Donc, Patrice Sonzoni s'est présenté. Bon, inutile de dire, il était largement à la hauteur, sur le plan physique et sur le plan intellectuel. Donc, il est parti. Et bien entendu, nous avons passé, en ce qui me concerne, 2 ans avec lui en équipe. On a fait ensemble le stage plongée, on a fait ensemble le stage tireur d'élite. J'ai appris son décès, donc, inutile de vous dire que, comme beaucoup de personnes, ça nous a énormément touchés. C'était vraiment qu'une personne exceptionnelle, déjà de par son parcours professionnel, mais aussi par son dynamisme. Et puis, il traînait quelque chose avec lui. Il avait quand même une particularité, c'est d'être un meneur d'hommes. C'est bien que le régiment porte le nom du commando Sonzoni. J'en suis vraiment très fier. L'équipe était organique.
un officier, 5-6 officiers, 3-4 militaires du rang, qui était à peu près la mesure pour les équipes d'aujourd'hui, avec une autonomie et une double tête de commandement, donc maintenant désormais la brigade parrain et le régiment. La spécificité, en fait, pour un artilleur du 35, était en phase avec les missions des commandos, puisque les commandos à l'époque étaient surtout des commandos de renseignement et d'action dans la profondeur. Donc on était déjà formés et surtout on apportait notre touche en tant qu'observateur d'artillerie. Alors la mise en place également des fameux DLOP, des observateurs dans la profondeur, que le régiment a mis en place, notamment on l'a mis en place dès 88 avec l'équipe CRAMP. J'ai passé mon Schutz-Ops en 99. Et puis voilà, après ben, ça s'est enchaîné sur intégration avec les uns, avec les équipiers en place. Et toute cette nouvelle génération qui arrivait, on a été pris en charge par ces anciens. Ils vivaient à l'époque une dizaine, une douzaine, basculés à plus de 20, 24 forcément. Il a fallu pousser les murs comme on dit. C'était marrant quoi, ce début, ce changement d'époque avec la création de la deuxième équipe. Était assez sympathique. Mais là, c'est vraiment un sentiment de fratrie, enfin d'amitié. Avec le temps, on s'aperçoit qu'on est content d'être là et d'en profiter, quoi. Parachutiste, je pense qu'il dans tous les régiments para est à peu près le même. Mais après, chaque régiment, voilà, son identité. Toutes les dernières opérations, depuis quelques années, on est entré dans une autre dimension où on faisait vraiment un métier de commando avec tous ses super côtés. On vit des choses extraordinaires. Mais à côté de ça, ben voilà, on connaît le risque qu'il peut y avoir et malheureusement, ben, on a perdu des camarades, des amis, il y a eu des blessés, il y en a qui s'en sont remis, il y en a qui sont encore, qui s'en remettront jamais, que ce soit physique ou psychologique. Malheureusement, ça va avec, on ne peut pas vivre que des bons moments. On connaît les risques et on les accepte. Si on ne les accepte pas, eh ben, on ne peut pas rester. Voilà, je suis arrivé dans les années 2000, je suis arrivé au régiment. C'était un choix de venir dans les parachutistes. Mon objectif, c'était déjà de vouloir entrer en équipe commando. Pourquoi ? Parce que j'ai mon père qui était shooter ops au REP. Et voilà, donc depuis tout petit, j'ai vécu de sauts de démonstration, j'ai vécu dans les fêtes parachutistes, entre autres la Saint-Michel. Donc naturellement, j'avais ça en tête. Me voilà engagé dans ces fameux tests qui durent une semaine. J'étais accompagné de Trevor Rodriguez, donc j'en profite pour rappeler sa mémoire qui a été gravement blessé avec son zoo en 2009 et qui est malheureusement parti lui en 2017 dans un accident de la route. Moi, j'ai souvenir aussi là de quelques missions au Sénégal ou au Gabon entre autres, où ben, voilà, on se retrouvait sur des séances de saut ou alors au Gabon, en forêt.
au début, ouais, voilà, toutes les phases où on faisait des sauts SMPS, où essentiellement on allait à Mimizan. Je me revois encore tous ensemble, assis dans les airs, avec l'océan à l'horizon. Là. C'était bien sympa. Just too many times that people have tried to look inside of me, wondering what I think of you when I protect you out of courtesy. Too many times that I porcelain. Are you wasting? Pour moi, 2022, c'est une année particulière parce que ben, voilà, ça fait 20 ans que je suis arrivé en équipe. Donc à la Saint-Michel, pour moi, ce sera mon dernier jour au régiment. J'ai l'impression que c'était hier, hein. Tout le monde, tous les anciens le disent. Mais c'est réellement ça. Mais voilà, c'est une grosse expérience. J'ai appris beaucoup sur moi naturellement. C'est des camarades, il y a eu plus que ça. J'ai connu l'existence de l'équipe quand je suis arrivé, bon, que j'avais déjà 6 mois, 1 an de régiment. Donc en 2018, j'étais rentré de ma première projection et j'avais entendu parler de l'équipe. L'idée était née dans la tête et elle a mûri au sein des années passées au régiment. Et j'ai commencé à me préparer en vue des tests. Un mois après avoir fait les tests, j'ai eu la chance de pouvoir enchaîner sur le Jetburg, donc qui dure 3 mois. Et une semaine après, j'étais au Chutops pour 3 mois aussi. Donc en 6 mois, j'ai enchaîné les deux formations et ça a vite enchaîné, mais c'est une chance pour moi. On passe tous les jours devant les photos où on voit sur chaque mandat tous les équipiers qui sont en mission, et c'est vrai que ça donne envie de partir. Je suis bien tombé et je pense qu'il y a des belles années à venir et vivement que je parte en mission avec mes camarades de l'équipe. Je souhaite à la nouvelle génération des GCP qu'elle garde l'âme du commando, et puis surtout qu'on n'oublie pas des hommes comme Patrice Sonzoni qui ont donné leur vie pour que ce commando ait une âme. Et je souhaite à tout le monde d'être un jour de pouvoir intégrer cette équipe du régiment. Et je dis longue vie au GCP du 35. Lorsque je participe aux activités avec l'équipe, je trouve vraiment une équipe soudée et ça me fait très très chaud au cœur de me retrouver parmi ces commandos. Donc c'est très important et il y a cet esprit parachutiste qu'on retrouve bien au sein de l'équipe CRAP et cet esprit 35 qu'on retrouve également au sein de l'équipe commando. Vu les missions qu'ils ont, je pense qu'au contraire, on a beaucoup de choses à apprendre d'eux sur tout ce qu'ils ont fait. Et continuer comme ça. Quoi. Alors je leur souhaite de vivre une vie aussi intense que celle que j'ai vécue. Plus le temps passe, plus les équipiers sont performants. Il y a chaque génération aura son lot de missions à vivre. Aujourd'hui, journée particulière parce que c'est les 35 ans du CRAP et GCP 35. Donc voilà, moi je tire ma révérence et qu'est-ce que je pourrais dire aux plus jeunes? Bah de vivre la même chose que ce que j'ai pu vivre, de l'action, des missions, du saut forcément, du saut ops,
On apprend des choses sur les bancs d'école, mais le métier de militaire, c'est quelque chose unique. Et je pense sincèrement que c'est le plus beau métier du monde.